bloc ou en escalade générale, l'athlète a envie de vaincre le bloc en soi et pas nécessairement l'athlète qui est à côté de lui en train de faire le même bloc. C'est une compétition entre lui et le mur et je trouve que c'est ça qui fait une petite différence entre deux sports. Je m'entraîne entre 20 et 24 heures par semaine. Je grimpe 5 fois par semaine entre 2 à 3 heures. Ça demande surtout de la force, de l'intensité pour pouvoir donner à 100% à chaque fois et connaître toutes les différentes sortes de styles qu'il puisse y avoir. En 2017, j'ai fini 7e au championnat du monde en bloc à Innsbruck. J'aimerais bien participer au championnat du monde élite au combiné qui est en fin d'année. Et aussi, pourquoi pas, participer aux Jeux Olympiques 2020. Souvent, on arrive à voir les résultats, mais on n'arrive pas à voir l'effort qui est demandé derrière. Et du coup, en étant nominée, c'est en sorte une récompense pour moi, pour tout l'effort qui a été donné, pour avoir certains résultats. Je suis motivée, je suis déterminée, j'ai envie de faire de mon mieux.